in my brain. I've been tripping about some things, can't change. Switch at the same time, I'm tame. Put your same bag in the phone call. Girl, that you always kill us off. That was this summer and nobody helped. Hey, yo les potes, c'est Furious, bienvenue sur la chaîne de la Obscure Clan. Aujourd'hui les potes, on va aborder un sujet assez sensible sur Call of Duty Black Ops 4. Je parle bien sûr des points positifs et des points négatifs. Attention les potes, je vois venir dans l'espace des commentaires à critiquer ou encore à insulter, mais tout ce que je vais dire dans cette vidéo, ce sera mon point de vue et tout le monde a le droit d'avoir son point de vue, son propre avis. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou si vous êtes contre moi et vos avis dans l'espace des commentaires. Donc les gars, on va commencer avec les points positif. Point positif, on va commencer avec les nouveautés. Les nouveautés déjà, il y a les camouflages. Black Ops ne nous ont jamais déçus avec les camouflages. Et franchement, je trouve qu'ils sont magnifiques encore cette année. Surtout au niveau du camouflage or et du camouflage diamant qui sont vraiment magnifiques. Ils s'illuminent, ils changent de couleur et ça c'est une nouveauté vraiment excellente et j'adore ça. En parlant de camouflage, il y a aussi le retour du Dark Matter. Je n'ai pas encore vu à quoi il ressemblait, je n'ai pas encore pu voir à quoi il ressemblait. En tout cas, on va vous faire des vidéos Road to Dark Matter. À chaque déblocage diamant, on vous sortira une vidéo. Pour ceux qui ne sauront pas à quoi il ressemble, au moins vous le saurez. Et vous nous suivrez tout au long de cette aventure du déblocage du Dark Matter. Ensuite les potes, en second point positif, il y a les maps. Alors non, pas toutes, parce que je vois venir dans les commentaires à dire non, il y a certaines maps qui puent la merde, etc. Oui, il y en a, comme dans tous les Call of Duty bien sûr, mais moi je vous parle des maps de remake de Black Ops 2 et de Black Ops 1. On a aussi Slums les gars, Slums, grande map de BO2 que tout le monde a surkiffé, et les anciens comme moi se souviendront des gros massacres qu'on a tapé dessus sur PS3 ou encore sur Xbox. Franchement ça fait kiffer, et on attend tous bien sûr le retour de Nuketown en novembre. Normalement c'est bien novembre si je me trompe pas. On fera des vidéos dessus bien sûr. J'ai vraiment hâte de voir à quoi elle ressemble et de taper de gros GP là dessus. En point positif aussi, je peux dire qu'ils nous ont mis des bonnes armes encore cette année. Il y a aussi la réapparition de la Scarache. Je trouve que toutes les armes, quasiment toutes, sont OP et sont faciles à jouer. Après ça dépend de nous, des joueurs SMG, des joueurs AR, mais je pense que toutes les armes sont à peu près équivalentes, sont à peu près équilibrées. Vous me redirez dans l'espace des commentaires si je me trompe, mais personnellement j'ai un petit peu tout essayé et pour moi toutes les armes sont jouables, parce qu'il y avait avant sur les anciens opus Call of Duty, il y avait des armes qu'on pouvait vraiment pas utiliser parce qu'elles étaient vraiment pourries, on n'arrivait pas à faire de kill avec, on n'arrivait pas à tuer si on n'avait pas une bonne connexion. Là, bonne ou pas bonne connexion, on arrive quand même à jouer avec à peu près toutes les armes et réussir à taper des kills quand même avec à peu près toutes ces armes. Enfin bref les potes, je pense que j'ai fait le tour sur les points positifs du jeu. Après sachant qu'ils vont faire des patchs, ils vont faire des mises à jour, ils vont même évoluer le jeu. Certaines qualités pourront devenir des défauts des qualités, ça on sait pas encore. Ça on verra avec la progression du jeu. Donc vraiment je vous parle à l'heure où la vidéo sera postée. Bref, maintenant je vais vous parler des défauts du jeu. Et il y en a vraiment beaucoup. Donc les gars, le défaut numéro 1 du jeu, c'est le menu principal. Je ne sais pas vous, mais moi je n'arrive pas à m'y retrouver. Pour moi, ce n'est pas un menu de Call of Duty. Personnellement, sur tous les autres Call of Duty, je m'y retrouvais dans les menus, etc. Mais là aussi, avec le curseur, etc., pour moi, je ne m'y retrouve pas. Bon, je suis pas un gogol, je suis pas perdu. Mais c'est limite. Le menu, pour moi, il ne me plaît pas. Il n'est pas très bien arrangé à mon goût. Enfin bref, ensuite les gars, il y a les problèmes de connexion. Vraiment, là, je pense que c'est le plus gros problème de Call of Duty Black Ops 4, c'est bien la connexion. Je suis désolé, mais personnellement, et je parle bien personnellement, en partie, il y a un sérieux problème de bullshit. Je sais pas vous, mais moi, je le ressens vraiment beaucoup en partie, surtout en normal. Après, je suis quand même aussi un joueur hardcore. Ne venez pas à critiquer dans les commentaires, je ne suis pas un rageux, je suis réaliste et je dis pour moi la vérité. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup trop de bullshit et que le jeu est trop optimisé pour ceux qui ont une bonne connexion. Je m'explique, personnellement je n'ai pas de connexion fibrée, je n'ai pas la fibre, j'ai juste une ADSL, j'ai 800 kbps par seconde. Enfin bref, je vais mettre trop de balles pour jouer quelqu'un,
je peux arriver en duel, je peux avoir le premier shoot, un shoot parfait avec le déplacement qui va avec. Même si j'ai tiré en premier et que je n'ai raté aucune balle, l'adversaire devant moi va quand même me tuer parce qu'il aura une plus grosse connexion. Et ça, je suis désolé, mais ça, j'arrive pas à tolérer. C'est une chose qui me fait rager vraiment au plus profond de moi. C'est une chose que j'arrive pas à comprendre puisqu'on, à cause de ça, on n'est pas tous équivalents. Et donc, j'en viens au point numéro 3. C'est que les noobs sont trop avantagés par rapport à nous. Et ça, à chaque partie, je le ressens. Il n'y a pas, certes, sur tous les autres Call of Duty, on ressentait qu'il y avait les joueurs pros, les semi-pros, les noobs. Bien sûr, c'est normal, je critique personne, je mets en avant personne. C'est pareil, moi aussi avant j'étais un noob. Quand je commençais Call of Duty, je n'arrivais pas à jouer, c'est normal, et on évolue au fur et à mesure qu'on joue. Mais là, je n'arrive pas à ressentir ça, à ressentir qu'il y a des joueurs meilleurs et des joueurs débutants. J'ai l'impression que chaque joueur contre qui je tombe, ça a vraiment joué. Mais voilà, c'est à cause d'encore une fois de la connexion et le jeu est trop avantagé aux noobs. C'est-à-dire qu'il y a aussi trop d'aide à la visée. Et ça, je n'arrive pas à comprendre ce qu'ils nous ont fait Treyarch de ce côté-là. Ensuite, les gars, il y a les bugs. Il y a énormément de bugs, que ce soit en partie, dans les menus, ou encore des bugs de camouflage. C'est vraiment un truc de fou. Ils nous ont pondu le jeu complet avec autant de bugs. Même sur la bêta, il n'y avait pas autant de bugs. Même si sur la bêta, il n'y a pas autant de contenu. Là, je suis désolé, c'est pas normal. Donc j'espère qu'ils vont nous faire des patchs, qu'ils vont nous faire des mises à jour corrigeant tous ces bugs et nous proposer un Call of Duty Black Ops 4 qui est équivalent pour tout le monde et un bon jeu qui ne va pas bugger, qui ne va pas nous faire freeze notre play et redémarrer notre play presque à chaque partie. Parce que là, vraiment, pour moi, c'est vraiment quelque chose que je ne tolère pas. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils nous font un jeu qui nous font bugger, qui nous font revenir au menu principal, qui nous font freeze notre play. Enfin bref, des bugs d'affichage qui n'ont rien à faire ici. Enfin bref, j'espère qu'ils vont nous faire des mises à jour, qu'ils vont nous corriger tout ça. J'espère qu'ils vont nous rendre un jeu encore meilleur et meilleur pour tout le monde. Enfin bref les potes, je pense qu'on a fini, je pense qu'on a fait le tour. Je vous rappelle que c'est mon point de vue. Enfin bref, moi c'était Furious. N'oubliez pas à vous abonner à mon Twitter qui sera dans la description si vous avez toute question ou toute demande de RC. Je vous rappelle, on est RC, je ferai une vidéo spéciale à l'arrêt du recrutement. Enfin bref, n'oubliez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications si vous voulez en savoir plus sur des nouveautés de Call of Duty Black Ops 4, etc. On refera un petit point après des patchs, après quelques mois je pense, après des mises à jour, etc. Je vous reparlerai de cette vidéo que j'ai faite et je vous parlerai des différences qu'il y aura eu. Sur ce les potes, je vais vous laisser, je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo du côté obscur, c'était Furious, allez, peace.